Ah, à première vue, nous avons des verres de rosé. Oui, c'est ravitaillement. C'est ravitaillement. La dame a un ravitaille, oui, effectivement. Parce qu'on est... Je vous remercie, madame. Et parce qu'on est... C'est écrit dessus. Je quitte pas l'écran. C'est écrit dessus. Parce qu'on est au château Saint-Martin. On ne fait pas que l'apéro au château de Saint-Martin. Non, on fait rire en vigne, un grand festival où il y a beaucoup des humoristes qui viennent, on fait de la rigolade, des cocasseries, des galéjades. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Et j'ai l'impression que ça a commencé déjà depuis un moment, non? Ah, ben ça a commencé depuis que je suis arrivé cet après-midi. Et parce que c'est un état d'esprit, tu sais, le rire, c'est pas quelque chose. C'est un état d'esprit. C'est pas à une heure clé. Non. C'est une humeur constante, l'humour. Hein. D'ailleurs, humour, humeur, tu vois. Hein. Oh. Ben oui. Avec ceci, vous faites autre chose? Eh ben écoutez, demain, j'aimerais bien un petit peu de théâtre, parce que moi, je suis quelqu'un comme ça d'exigeant. Ah, ben figurez-vous j'aime que... J'aime la variété. Oui. Ben, c'est pas de la variété, le théâtre. Hein. Mais demain, on joue avec mon ami Stéphane Plaza à Fréjus. Aux Nuits Auréliennes. Et ce sera la dernière. Et c'est un théâtre romain, la dernière des dernières de cette pièce. Et après, vous pouvez me retrouver moi pour le deuxième spectacle. Donc, je fais une tournée de rodage. Rodage ne veut pas dire qu'on va tester en province. Ça veut dire qu'on va construire avec vous la densité. Donc, on va privilégier, quoi. Oui. Là, à Marseille, à Toulon et à Nice. Oui. Au théâtre de la cité, au Colbert et à Marseille. Je ne suis plus oui, c'est à Marseille. Oui. Hein, on va... On va être des privilégiés. Eh ben, vous allez être des privilégiés, puis vous pourrez même coucher avec moi après si vous voulez. Donc, est-ce qu'on aura des droits? Alors, moi, je suis plus intéressée par les droits d'auteur, du coup. Ah non, toi, rien, non. Non, c'est pas prévu, non. Non. Mais les gens, ils auront des cadeaux, tout ça. Ah non, ouais, non, mais pas moi. Et c'est important, je trouve, que de ce rapport avec le public et qu'ils construisent et qu'ils affinent avec moi mes idées. Parce que tout est construit. Parce qu'il y en a besoin. pour avoir un aperçu. Non, je sais ce que je vais vous parler de mes 50 ans, de ma ménopause, de mes problèmes d'amour, de mes problèmes de santé, ma mère, du showbiz, des potins, plein de potins. Ah ouais, ça j'aime bien. Des saloperies que j'en raconte. On va apprendre plein de trucs. Oui, vous risquerez d'être surprise. Un petit peu aussi sur les gens qui sont là ce soir. Bah, Antonien, c'est un homme. Ça fait longtemps qu'elle a entamé sa transition, hein, mais bon. Ça fait un moment qu'elle transite, hein, quand même. Hein. Mais puis au-delà, en fait, je crois que c'est Didier Gustin. C'est Didier Gustin. Et ouais. Voilà. Et ça c'est quand même un scoop. C'est un scoop. Donc voilà, pour toutes ces petites informations croustillantes, hein, qu'on peut vous donner, qui vont faire, faire vos journées véridiques, qui vont vous faire briller dans les dîners sur les bords des plages, eh ben, rendez-vous très bientôt en novembre, décembre, tout ça, au Colbert. Et janvier, au Théâtre de la Cité aussi à Nice. Cité, à Nice. Voilà. Et en septembre-octobre, je pense même qu'on te verra avec les grosses têtes à Saint-Raphaël. Oui, c'est prévu. C'est oui, prévu, oui, hein, ben, je reviens dans le coin. Le festival du rire. En fait, tu ne nous lâches plus. J'aime, parce que j'aime bien le coin. J'aime beaucoup Saint-Raphaël. J'ai une histoire de cœur avec Saint-Raphaël. Enfin, voilà, pas vraiment côté de ma vie, mais j'aime bien le sud. Mais ceci dit, le climat change. Il fait trop chaud maintenant. Hein. Ah, on bah, sent que la planète est en train de brûler. Il y a des girafes et des biches partout. Le monde va pas bien. Oui, là, il y a des lions là-bas au bout des vignes. Tu vois. Ouais, ça a changé toute la faune et la flore ici. Hein. Il va très bien. Je vous embrasse, les gens. Ce soir, c'est Rire en Vigne, les 10 ans. Et demain, un couple magique. Et vive le château Saint-Martin!